bonnes vacances. Bonnes vacances. Bonjour. 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 Bienvenue au club. Merci. Les cocktails de bienvenue sont par là. Bonjour. Bonjour. À tout à l'heure. Bonjour. Bonjour. Bah dis donc, lui, on dirait que tu lui as tapé dans l'œil. Tu rigoles, c'est toi qui l'as regardé. Non, non, ça j'en suis pas si sûre. Bon, tu les as pas vus. Bah écoute, non, hein, je cherche, mais c'est pas écrit sur sa tête qu'il est député, hein. Salut, moi c'est Mo. Et toi, c'est comment? Ma fille s'appelle Sandra. Ah oui, Sandra. Alors tu dors Sandra? Bah ça tombe bien, moi aussi, tu vois. Oui. Et toi, tu t'appelles comment? Jean de Monge. De Monge. Et mon épouse, Marie de Monge. Marie. Marie. Oh, excusez-moi, Marie. Enchantée. Et, j'en marie un, j'en divorce deux, c'est rigolo ça, non? Sandra, je t'en prie. Pardon, papa. J'en marie un, j'en divorce deux, c'est... Bonjour, madame. Bonjour, monsieur le député. Je suis Agnès Girard, la directrice de l'hôtel. Je suis désolée, mais nous vous attendions près de l'entrée avec ma secrétaire et nous vous avons manqué. Oui, nous avons pris une voiture directe de l'aéroport. Pour éviter le car. Mes hommages, chère madame. J'ai beaucoup entendu parler de vous par mon ami Père Driel. Il vous estime vraiment beaucoup. Oh oui, c'est bien vrai. Bonjour mademoiselle, je suis madame de Monge. Enchantée madame, et je vous présente Brigitte, ma secrétaire. Enchantée. Enchantée. Sandra, votre fille. Bonjour. Bonjour Sandra, bienvenue au club. Merci. Ah, je vois que vous avez déjà fait la connaissance de Mo. Un de nos animateurs. Oui, il est plein d'humour. Oui, merci. Écoute, Agnès, j'ai rendez-vous. Ah oui, il faut que j'accueille des nouveaux clients. Voilà. Ah, je... Pardon. Excusez-moi. Au revoir. Oui. À tout à l'heure. Hein. À tout à l'heure, Mo. Bien, bah écoutez, si vous voulez, je vais vous faire visiter le club. Par ici. J'arrive. L'accident arrive, on dirait que t'as fait aux trousses. Oh là là là, j'ai fait une gaffe là. Je suis tombé sur un député, tu vois. Pas commode, pas commode, un peu strict aussi. Et Agnès m'a rien dit. Hé, regarde là-bas. Oui, oui. Oh. Oui, ben non, oui, c'est moi qui l'ai vu le premier, tu vois. Et puis ça là, c'est sa valise. C'est moi qui l'ai. Voilà, alors c'est vrai que. Bah, d'accord, Bob, oui, oui. D'accord. Voilà. Je suis à l'aise, Bob, hein. Oui, oui, bien sûr, bien aimable. Allez, ciao, hein, et bonjour chez toi. D'accord, c'est comme ça, Bob, hein. Voilà, j'ai retrouvé ta valise. C'était pas la peine de t'angoisser comme ça. Tout va bien. Et puis on est ici pour s'amuser, non? Merci. Mais c'est plus fort que moi. Qu'est-ce que c'est que ça? Bah des tranquillisants. J'en ai vraiment besoin pour mes nerfs. Ouh là 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 là, mais ça va pas du tout ça. Hein. Il faut qu'on parle hein, pendant que je t'emmène dans ton bac à l'eau. Ouh là là, ça va pas du tout ça. Je me sens toute chose d'être ici, c'est géant. Ça fait 6 mois que je regarde les photos du prospectus. Alors... Mais peut-être que je rêve encore. Mais non, tu rêves plus. Hé, tu peux nous toucher? On n'est pas des photos, nous. Oh là 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 là. C'est tellement super que même... C'est génialement bien. Ouais, bah, continue à toucher. Continue. Moi, c'est Mo, hein, et je m'occupe de la poterie. Mo. Oh, géant. Je vais fabriquer des cendriers. Ouais. Je rapporte toujours des cendriers quand je reviens de vacances. C'est vrai, ça fait toujours plaisir. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Moi? Moi, je m'occupe des sports. Ça te tente à faire des... Gym aquatique. Oui. Ça fait 2 mois que je suis au régime pour pouvoir mettre mon maillot de bain. Alors, faut que j'en profite. Il faut que tu profites de mon cours de comédie aussi. Ah oui, j'ai vu qu'on pouvait faire ça aussi. Ouais. Mais ça me tente pas du tout, hein. Non, moi, je suis une fille simple, je suis esthéticienne. Ça veut dire que je suis plutôt manuelle, quoi. Alors, les prises de tête. Et... Oups, voilà, boum. Et puis... À ta santé, hein. Agnès, je suis désolé pour le député, moi je ne savais pas. Non, mais c'est de ma faute. Il m'a envoyé un fax la semaine dernière et j'ai complètement oublié de vous prévenir. Agnès, essaye pas de me couvrir. Elle m'avait dit de vous prévenir et puis... Eh ben j'ai oublié, voilà. T'inquiète pas, bijou. Et à propos du député, il m'en veut pas trop? Mais écoute, visiblement non, j'ai un petit peu parlé avec lui. Mais par pitié, les garçons, plus de gaffe maintenant, hein. D'accord, chef. Ouais. Ouais, d'accord, Agnès, tu peux compter sur nous, hein. J'espère bien. Le député, c'est celui qui est arrivé avec sa femme et sa fille, ça.
Ouais, on les a mis dans les flots bleus. Oh, ils sont tellement snobs. Ouais, ouais, tu parles d'un coincé. Et sa fille, tu sais, la pauvre malheureuse, là. Eh ben, tu sais quoi? Elle ose à peine respirer devant eux, t'imagines? Mais c'est pas grave, ça. On va lui apprendre. Ah, justement, non, les garçons, hein. Et maintenant, on va se répartir les tâches. Comment on va se répartir les tâches? Bah écoutez, j'ai un peu discuté avec eux, alors j'ai vu ce qui les intéressait. Alors toi, Mo, oui, tu t'occupes du père. On rêve d'être au manuel, je suis sûre que la poterie, ça lui ira très bien. D'accord, Agnès. Merci, Agnès. C'est vrai, Agnès. Moi, je m'occupe la fille. Tu sais, à cet âge-là, on a vraiment besoin de sport. Tom, je t'ai déjà dit non. Toi, tu t'occupes de la mère. Elle devrait se muscler un petit peu. Donc, tu me prépares un programme, mais tu vas pas trop, trop fort, hein, parce qu'à son âge, il vaut mieux être prudent. D'accord. La mère, hein. C'est pas la mère à boire, ça. Je suis sûre que ça te fait très plaisir, Tom. Si je comprends bien, je m'occupe de la fille. Oui, Pat. En plus, elle adore le théâtre. Mais tu viendras me voir dans mon bureau, faut que je te parle. Parce que, avec la fille, il y a un petit problème. Ok, Agnès. Et, vous savez, les amis, je me demande ce qu'ils sont venus faire ici, en vacances. Eh ben écoute, c'est très facile, ce sont les amis du PDG du club. Eh ben écoute, ça, c'est une bonne raison. Oui, puis en plus, ils sont invités. Ah. Eh oui, ça, c'est la meilleure des raisons. Bon, ben les garçons, sans vous commander... Yep. Au travail. Et puis n'oubliez pas, vous êtes les meilleurs. Merci, chef. On est les meilleurs. Oui, on est les stars. On est les meilleurs. Non, mais là, tu vas pas me dire que c'est pas toi qui regardais, non? Arrête, Agnès, écoute. Madame de Monge, on lève la jambe. C'est une véritable torture. Pas du tout. Allez, allez, hop. Mais j'en peux plus. Ah, je peux souffrir, Pète Belle, vous savez. Dites donc, ça veut dire que vous me trouvez laide? Moi? Non, pas du tout. Bah, enfin, je veux dire qu'on peut toujours s'améliorer, hein. Madame de Monge, excusez-moi, je parle pas très bien français, je suis suédois, c'est pour ça. Mais... Attendez, je vais vous aider, madame. Laissez-moi. Ne me touchez pas. Hey, madame, attendez. Votre bonnet. Voilà. Merci. Et ne me touchez plus, s'il vous plaît. Excusez-moi pour tout à l'heure, madame, mais je parle seulement de votre muscle. Seulement de votre muscle. Alors, Tom, ça se passe comment avec la femme du député? Oh, ne me parle pas, c'est l'enfer. En plus, je crois que je viens de faire un gaffe. Elle est partie furieuse, quand même. Ah bon? Et qu'est-ce que t'as fait? Rien, ce n'est pas de ma faute, c'est elle. Elle prend tout mal. Et toi, avec le mari, ça va? Avec Jean, le slap total. Alors, moi, tu vois, gentil, j'ai voulu lui donner un cours particulier de poterie. Et alors, il a fait gicler de la glaise partout, tu vois, sur... Enfin, partout. Et plein ses vêtements, c'était... Ouais, mais tu sais, ils sont pas très doués, ces deux-là. Ouais, et en plus, tu vois, il veut que je lui paye la note de blanchisserie. Ah non, mais qu'est-ce que t'as dit? Bah, qu'est-ce que je lui dise? Que l'hôtel paierait? Et tu te rends compte qu'il est invité, et qu'en plus, il ne peut même pas payer ça. Ouais, mais tu sais quoi? Plus ils sont riches ici, plus ils sont radins. Ça me dirait que ça marche. Ouais, et j'espère surtout qu'il ne va rien répéter à Agnès, parce que pour les stars des animateurs, tu vois, c'est ça l'affiche, hein. Alors, ça va les copains? Ah, salut Bob. Ça va? Ouais, super. Vous connaissez Laurence? Oui, je t'ai déjà vu. Ça va les vacances, Laurence? Ouais, bof. À peu près. Mais quoi. Si, ça va. Allez, viens. Et vous allez vous comme ça? Alors, on va faire de la psychothérapie. Ah bon? Pourquoi? Bah, écoute, elle est angoissée. Et moi, je vais expliquer que le mot angoisse, ça figure pas dans mon dictionnaire. C'est pas vrai? Si. Alors, moi, vous connaissez les copains, moi, je vais la faire rire, hein, parce que je veux plus qu'elle prenne de tranquillisant, truc comme ça. Hein, ça. Ah, mais t'as raison là, Bob. C'est mauvaise pour la santé, hein. Ouais, et de toute façon, il faut pas t'inquiéter, Laurence, fais confiance à Bob. C'est un spécialiste! Merci, Mo. Tu vas voir, je vais te tranquilliser naturellement, moi. Allez, viens. Ciao, Bob. Ciao. Et je crois que cette fois-ci, il a ses chances. Oui, je crois qu'il a ses chances. Ah, j'espère, hein. Ouais, j'espère. Ah,
te jure que Julien est fou amoureux de toi. Mais Agnès, arrête avec ça. D'abord, c'est un vieux, hein. Ah bah, je te remercie. Il doit juste avoir 4 ou 5 ans de plus que moi. C'est gentil. Mais non, mais c'est pas ce que je voulais dire. Enfin, tu vois, il est pas... Enfin, tu vois ce que je veux dire, quoi. Ouais, ouais. Il est pas aussi beau que Tom, c'est ça? Oh, mais Brigitte, mais arrête de faire cette tête-là. Je te fais marcher. Et moi, évidemment, je galope. Non, mais j'ai l'habitude. Je suis comme ça depuis que je suis toute petite. Je suis... Entrez. Excuse-moi, Agnès, tu m'avais demandé de passer au sujet de la petite, la fille du député, mais je me suis fait coincer, figure-toi, par des clients qui voulaient à tout prix monter le CID avant la fin de la semaine. J'ai dû leur expliquer que c'était un peu compliqué, tu vois. Ouais, bah écoute, assieds-toi, c'est pas grave. Ouais, je voulais te parler de la petite de Monge. C'est un cas un peu particulier. Ah bon, pourquoi? Bah écoute, c'est une surdouée. Elle a eu son bac à 15 ans, elle a déjà une maîtrise d'histoire, une maîtrise de lettres, et elle va finir Sciences Po. Tout le contraire de moi, quoi. Alors, je te rassure, pour moi, c'est pareil. Je crois qu'on est tous dans le même sac, ici. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse, exactement, là? Écoute, là, ça devient un petit peu délicat, tu vois, parce que ses parents ont peur qu'elle rencontre quelqu'un qui puisse avoir une mauvaise influence sur elle. Mauvaise influence, genre playboy italien qui transforme une princesse en midinette, c'est ça? Ouais. Exactement. Alors, ils m'ont demandé de trouver quelqu'un pour la protéger. La surveiller, tu veux dire? Oui, enfin, j'aime pas trop ce mot-là, mais c'est vrai que c'est complètement ça. Alors, comme j'ai la plus entière confiance en toi, j'aurais voulu savoir si tu pouvais faire le garde du corps pour toute la semaine. Pas de problème, Agnès. Aie confiance, je ferai un parfait garde du corps. D'accord, Pat, mais pas trop près du corps. Hein. Fais-moi confiance. Ouais. Hein. Entrez. Excusez-moi de vous déranger, Agnès, mais monsieur et madame Demonge ont quelque chose de très important à vous signaler. Allez-y, monsieur le député, parlez. Mais que se passe-t-il, monsieur Demonge? Il se passe que vos animateurs se conduisent extrêmement mal. Je veux dire qu'ils se conduisent d'une manière révoltante. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, pour commencer, votre animateur de l'atelier de poterie s'est montré particulièrement malhabile. Il a placé son seau de glaise sur le tour, qui était placé en surpuissance, et ceci explique mon état. Quant à votre animateur sportif, sa conduite à l'égard de ma femme est proprement inqualifiable. Bon, qu'est-ce qu'il a fait, Tom? C'est très difficile à dire. Non, dis-le, dis-le. Bon, t'es drôle, toi, dis-le. Eh oui, dis-le. Bon, ben voilà. Oui. Il m'a mis la main aux fesses, voilà ce qu'il a fait. La tête, y a rien de tel. Hein. Ah ouais, tu crois? Ah ouais, c'est physique. T'as tout qui coule, tu vois. T'as toutes les mauvaises idées qui coulent vers le bas. Plouf, par terre. Ah ouais, tu fais ça souvent, toi? Ouais, bien sûr, de temps en temps. Et tu crois vraiment que ça va marcher sur moi? Mais bien sûr. Allez, vas-y, je t'écoute. Allez, vas-y, ma Lolo. Bob. Ouais. Je crois que je vais vomir, là. C'est possible. Ça prouve que ma technique marche. T'as envie de vomir, mais par contre, t'es plus angoissé. Pour moi, un mal chasse l'autre. Ma technique, elle marche drôlement bien. Ouais, faut vraiment que je me remette à l'endroit. Là, tout de suite, là. Bon, bah écoute, d'accord, allez, vas-y. Oh, dis donc, c'était moins une. Ça va mieux, là? Ouais, un peu. Toujours angoissé? Non, un peu moins. Enfin, c'est quand même pas très brillant. Bon, allez, vas-y, on commence tout depuis le début. Vas-y, je t'écoute. Bah voilà, Bob. Je suis déprimée à cause d'un homme. Oui, bah, cet homme-là, il était pas fait pour toi, c'est tout. Ah ouais, tu le connaissais? Non, je le connaissais pas, mais enfin, si tu me dis qu'il t'a fait du mal, ça veut dire qu'il était pas fait pour toi, c'est évident. Bon, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Et bah, à part cet homme, il y a aussi eu mon patron. Ah bon? Parce qu'avec ton patron aussi, tu... Non, non, pas du tout, mais il m'a licencié. Ah, il t'a licencié? Bah, tu sais, le chômage, c'est un phénomène de société, hein, c'est un peu le mal du siècle. Moi, j'ai plein de copains aussi à Longjumeau qui se sont fait licencier comme ça. Et puis, en fait, c'est pour ça qu'il vaut mieux être en vacances. Voilà ce qu'il faudrait faire. Tous les chômeurs, en vacances. Comme ça serait beaucoup mieux. Tu sais que c'est pas bête ce que tu dis là? Ah, bah ouais, ouais. Ah, non, moi, je suis en vacances depuis le début, ouais, et puis bon... Qu'est-ce que vous faites par terre? Ah bah, tu vois bien, on travaille. Ah oui? Oui, on fait une psychothérapie de groupe, à deux. Génial. Travaillez bien. Eh ben, merci. Super ciao. Salut. Ah, c'est drôle, super ciao. Oui, on en était où, nous? Eh ben, je te disais que j'avais un doctorat en droit, une licence de philo et une maîtrise de lettres. Et j'essaye de passer sur... Ouais, ça va, c'est bon. Excuse-moi. Mais à part ça, est-ce que t'as le temps de t'éclater? Ah oui, bien sûr. La fac, ça me prend pas tout mon temps. Je fais les musées, je vais à l'opéra. Et je m'inscris à des stages informatiques. J'adore inventer des programmes sur ordinateur. Génial, génial. Et tu fais du sport? Oui, du yoga. Je vois.
Et la musique, t'aimes la musique? Oui, mais alors seulement la musique baroque. Les autres, je trouve ça un petit peu vulgaire. Je viens de penser à un truc. Est-ce que t'aimerais faire de la poterie? Ah, moi, tu sais, je préfère les choses de l'esprit. Ouais, c'est sûr. Choses de l'esprit. T'as pas vu Tom et moi, Agnès, ils cherchent partout. Non, pourquoi c'est grave? Ben, c'est-à-dire qu'elle veut leur parler, quoi. Et vous? Ça va, mademoiselle Lemont? Ah oui, ça va très bien. Ça va bien. Enfin, je veux dire, avec Pat, ça va? Ben, ça va bien, je vous assure. Pourquoi vous me posez cette question? Non, non, c'est rien. C'est comme ça. C'est juste pour savoir. Si tu vois Tom et Mo, tu leur dis surtout qu'Agnès veut les voir. C'est grave. D'accord, Brigitte. C'est grave. D'accord. Oui, on en était où? Avec Tom et Maud, ils ont l'air sympas. Je sais pas, Brigitte a rien voulu me dire. T'es sûre que tu voudrais pas mettre ton maillot? Ah non, surtout pas, j'ai la peau trop blanche et je prends des coups de soleil. Et puis entre nous, je trouve que ça fait très vulgaire d'être trop bronzée. Vulgaire? Pourtant, à mon avis, ça t'irait très bien d'être un petit peu doré. Ça ferait ressortir tes yeux, t'as de très beaux yeux, tu sais. Ah oui, tu trouves? Ouais, mais attention, je te dis ça juste comme ça, va pas t'imaginer que je... Ah non, 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 pas du tout. Non, mais ça fait plaisir, tu sais, on me fait jamais de compliments. Ah bon? Et les garçons que tu fréquentes? Oh non, eux, ils sont beaucoup trop absorbés par leurs études. Et puis tellement bien élevés qu'ils n'osent jamais rien dire, alors tu vois. Ils ont tort. À mon avis, tu serais encore plus jolie d'ailleurs si tu te détachais un peu tes cheveux. Ah non, maman serait pas contente. T'as le truc, ça fait négliger. Tu sais, ici, on est au bord de la mer, hein. On n'est pas en ville, on peut être plus décontracté. Mais moi, j'ai beaucoup de mal à me décontracter. Bon. Bah écoute, si tu veux pas te mettre en maillot, à mon avis, on devrait aller à l'hôtel. Parce que tu dois commencer à avoir chaud là, non? Si tu veux. On y va. Sandra! Mais Sandra, enfin, où étais-tu? Bah maman, enfin, j'étais là. Mais qu'est-ce que tu fais au soleil? Tu sais bien que tu ne le supportes pas. Enfin, je ne t'expose plus au soleil depuis que tu as l'âge de 6 ans. Enfin, maman, je parlais avec Pat et voilà. Non, non, ça c'est trop fort alors. C'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Tu viens immédiatement. Nous quittons cet établissement. Vous repartez déjà? Absolument, jeune homme. Nous ne resterons pas une minute de plus dans un endroit comme celui-ci. Allez, dépêche-toi. Ton père va commander un taxi et nous repartirons par le premier avion. Allez. On est vraiment désolé, je te jure que je n'ai pas fait exprès d'asperger le député de glace. C'est pas de ma faute, Agnès, je te jure. Je sais, je sais. Mais... Moi non plus. Si je n'avais pas poussé Madame Demonge par derrière, il se cassait la figure dans la piscine. Et je t'assure que je savais pas que Sandra était allergique au soleil. Oui, je sais. J'ai compris, vous savez, on n'a pas eu de chance, c'est tout. Mais tu crois que ça peut être grave? J'en sais rien, moi. On a Michaud qui va mettre de l'huile sur le feu au niveau de la direction, ça c'est sûr, mais bon. Vous en faites pas, je suis assez grande pour me défendre, non? Tu crois que ça va te retomber dessus? Bah évidemment que ça peut lui retomber dessus. Le député, c'est un ami du grand patron, Père Driel. Alors bon, je sais pas si vous voyez, mais bon. On peut vraiment rien faire. Non, mais de toute façon, vous en faites pas. Tout ce qui peut m'arriver, c'est d'être mal noté ou d'être muté ailleurs. C'est tra. Tu rigoles, ils vont pas faire ça quand même. Attendez, les amis, j'ai une idée là. Et si on assassinait Michaud et qu'on enterre son corps dans le sable avec. Non, non, moi je crois que c'est pas la peine d'arriver à des extrémités comme ça. Non, mais vous en faites pas, ça va aller, je vous dis. Tiens, d'ailleurs, voilà notre ami Michaud en compagnie du député et de sa petite famille. Bah écoutez, va falloir que j'aille leur faire mes adieux. Viens avec toi si tu veux. Oui, on va leur expliquer. Mais il va nous comprendre aussi. Tu sais, c'est, après tout, c'est un être humain, non? Non, c'est un député. Non, je crois qu'il vaut mieux que j'aille toute seule. C'est à l'heure. Je suis désolée, monsieur le député. C'est la première fois que nous avons un incident de cette sorte ici. Qu'est-ce que fait ce taxi? Nous allons rater l'avion. Ne vous inquiétez pas, il ne va pas tarder. Agnès, je crois qu'il ne sert à rien d'importuner, monsieur le député. Écoutez, j'étais simplement venue vous faire toutes mes excuses en mon nom et au nom de mon équipe. Je crois qu'ils n'ont pas compris que vous étiez des clients particuliers. Oui, il fallait y penser avant de nous mettre entre les mains de ces sauvages. Monsieur Michaud, le taxi est arrivé. Ah, merci. Vous présenterez tous mes respects, monsieur Perdrier. Oui, monsieur Michaud, je n'y manquerai pas. Mais qu'est-ce que fait Sandra? Ah, la voilà. Mais dépêche-toi, Sandra, nous allons être en retard. Papa, maman, il faut que je vous parle. Oui, bon, c'est pas le moment, on parlera dans le taxi. Non, non, il faut vraiment que je vous parle maintenant. Ah bon? Viens par là, excusez-nous. Viens, chérie. Sandra, nous t'écoutons. Eh ben voilà, je ne veux pas partir. Pardon? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Enfin, Sandra, c'est pas toi de décider. Papa, maman, c'est moi que vous avez emmené ici en vacances. J'ai quand même le droit de dire ce que je pense. Écoute, Sandra, je crois que nous parlons pour rien. Le taxi est là, il nous attend, allez, viens. Non, je reste. Sandra, enfin! Mais non, mais c'est génial cet endroit.
préoccupe pas, au moins c'est gay, les gens sont tous gentils. Allez-y, moi je reste. Je suis majeure, je vous le rappelle. Vous en êtes plus sérieuse? Tu veux vraiment rester ici toute seule? Mais oui, ça ne me dérange pas. Et puis je vais me détendre. J'ai vraiment besoin de me détendre. En tout cas, moi je ne te laisse pas toute seule, je reste avec toi. Comme tu veux, maman, mais viens pas te plaindre après. C'est promis, je t'assure, je souffrirai en silence. Écoutez-moi, vous êtes drôles toutes les deux. Je ne vais quand même pas vous abandonner dans cette jungle. Donc tu restes, toi aussi? En tant que député, je suis habitué à la démocratie. Vous venez de voter toutes les deux un oui. C'est donc la majorité qui triomphe. Merci, monsieur le député. Vous venez, on va aller annoncer la bonne nouvelle aux autres. Aux autres? Quels autres? Bah, les autres. Allez, venez. Bien, chérie. Allez, papa, dis-leur. Eh bien, voilà. Tout compte fait, nous allons rester. Ouais, vous ne pouvez pas savoir comme je suis contente. Ah bon? Nous aussi, hein? Ouais, nous aussi. Génial, génial. Non, c'est Sandra qu'il faut remercier. C'est elle qui a insisté. Qu'est-ce que je fais de votre taxi, monsieur le député? Eh bien, renvoyez-le. Mais qu'est-ce qu'on attend pour s'amuser? La musique vient juste de commencer. Tenez. Vous avez tout à fait raison, Sandra. J'arrive. Oui. Et pas de temps. Dès demain, soleil. Soleil, ici, les plages. Installez-vous, je vous en prie. Monsieur le député. Champagne, s'il vous plaît.